Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour la seconde session de notre campagne avec Azag le Massacreur sur Mental Empire en difficulté légendaire. Alors hier on s'était laissé avec le début de la campagne d'Azag, il y a eu des qui étaient bien partis, puis on a eu quelques complications à cause des nains de Kadrine qu'on a réussi à éliminer. Et après on a eu une phase de malchance et de bugs sans nom. Je tiens là aussi à m'excuser parce que les trois premières VOD que vous allez voir, là, le niveau du son, il sera peut-être pas au niveau. Mais là je pense qu'avec les réglages que j'ai fait pour la suite de la campagne, ça devrait aller mieux. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires au niveau du son à partir de ces vidéos. Je souhaite également remercier, comment il s'appelle, je cherche son nom, excusez-moi. Alors attendez, je vous demande juste quelques secondes. Je souhaite remercier Gordon Freeman pour son follow d'hier soir. Et on va essayer de continuer cette campagne avec Azag. Donc je vais normalement vous retrouver avec une bataille contre la tribu de l'œil rouge. Bon, je me suis dit que c'était un petit peu facile avec des gobos. Je me suis dit que je vais aller m'occuper de tout ça. Comme ça va calmer le jeu. Et ensuite, on va essayer de récupérer. Donc, on a vu le bug de confédération ici, bien sûr, vous avez vu. J'ai rebattu l'armée du chef de faction et j'ai réussi à récupérer toutes les cités qu'il me fallait. J'ai également pu sauver Karak Kadrin de la révolte des nains de Karak Kadrin, justement, qui a tenté de popper. Et là, voilà, ça a plutôt réussi. Et ensuite, je me suis dit, j'ai regardé mes objectifs, il nous reste une faction éliminée, à savoir le Kislev. Le Kislev qui a quelques territoires. J'ai aussi continué d'améliorer mes infrastructures au niveau des montagnes du bord du mont. Alors, des montagnes du bord du monde du Nord, pour moi c'est ça. Pour avoir une armée assez compétente avec Azag que j'ai reformé. J'ai également recruté à la place d'un chaman orc une sorcière troll d'eau. Il m'en faudra que j'ai renommé une momon. Comme il y avait eu un chaman, donc je vais lui passer en sorcière troll. On verra ce que ça donne. L'armée est composée des effectifs suivants, à savoir 4 unités d'orques costauds, 4 boys orcs classiques, 4 unités de gobelins de la nuit sans fanatique, 4 archers gobelins de la nuit, et j'ai voulu prendre les trolls de pierre pour voir ce qu'ils valaient. J'ai une seconde armée qui est là, bon, après l'économie ça n'est pas au rendez-vous, vous me direz, mais bon, avec les armées qu'on a, Thanos qui est un chef de guerre gobelin de la nuit, donc une bonne unité avec attaque empoisonnée, un spadassin du nom Mitrandir, il lacère tout avec un grand chef gobelin, bon 1v1, J'ai recruté 6 unités de gobelins de la nuit, 6 unités d'archers de gobelins de la nuit et 4 gobelins de la nuit avec Squig pour avoir une petite force de cavalerie pour m'occuper du Kislev. J'espère que ça suffira, il faudra aussi surveiller un petit peu nos ennemis et on verra où est-ce qu'on ira. Et enfin, je vais essayer de voir pour faire aussi certaines quêtes d'Azag parce qu'on peut avoir deux de ces objets légendaires, à savoir la couronne de sorcellerie de Nagash elle-même ainsi que l'armure qui dure d'Azag. Deux objets qui peuvent être intéressants en soi. Et là, c'est parti. Surtout que la Azag est niveau 13 avec le siège sur le Fort Jakova. Si on arrive à le faire passer niveau 14, on pourra avoir sa vouivre. Et s'il devient une monture volante, ça pourrait être parfait pour le champ de bataille, quoi, pour sa mobilité. Donc on est parti, je vais faire la bataille quand même pour ouvrir le stream. Je pense que l'armée est largement capable de s'en sortir. Le petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de cavalerie. Voilà. Bon, ça a l'air de charger mieux qu'hier. J'ai aussi revu un peu les options graphiques. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va moins laguer surtout. Bon, je sais que mon PC c'est pas le meilleur du monde, hein. Mais bon, on fait avec les moyens du bord et ce qu'on a. C'est un PC gamer, pour moi il vaut le coup. Les boys sont de sortie. Allez, c'est parti. Je vais pas parier.
Alors, la sorcière Trolldo. Bon, j'ai tout mis en bas, elle ressemble à quoi? Ouais, elle est pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, on va lâcher nos orques costauds, hein. Faites prêt les boys. Et derrière, on va lâcher nos archers gobos. Et j'ai envie des trolls de pierre aussi, foutre le bazar. Je laisse mes héros en retrait, j'ai pas besoin de. Peut-être que je vais peut-être rapprocher un poil à Zac, juste tout simplement pour éviter qu'ils se prennent. Pour avoir des petits bonus de commandement, ce genre de choses, quoi. Donc là, les trolls de pierre qui se ramènent. Hein. Ce qu'il y a de mieux, c'est qu'ils ont des marteaux, donc pour le dégommage de régiment d'infanterie. Allez. À mort! Bon, on tape tout ce qu'on peut, hein. Here we go, buzz. Et bah là, la mêlée se passe plutôt pas mal. Il y a un beau carnage. Les bretteurs sont sur son point de craquer avec la pression des trolls de pierre et des costauds orques. Allez les gars, on pousse là. On montre à qui se lève que nous ne sommes pas là pour plaisanter, bien sûr. Je vais reconcentrer tous mes tirs sur cette armée. Enfin, toutes sur l'autre unité d'archer, pardon. Allez, on est parti. Punaise. Les trolls de pierre, franchement, c'est un bel ajout, je le regrette pas, quoi. Deux unités de ces créatures, ça fait le ménage. Plus besoin de points de wag. Hop. C'est une victoire décisive. Le stream commence bien contre qui se lève. Wow. Salut CG, merci pour ton raid de 35 personnes. Wow. En plus... Ceci est un raid Shadow Legend. Bah, bienvenue à tous, bienvenue à CG, bienvenue à Igloin 49, n'hésitez pas à vous manifester, je ne mange pas. CG, je suis déjà au minimum. Hein. Attends, je vais te montrer, mais je suis déjà au minimum, mec. Hein. J'ai mis que mes unités en grand, attends. On va où raser. Putain, mon PC, je crois qu'il est au bord de l'extinction. Ah peut-être, ouais, effectivement. Hop, zou. Regarde, j'ai tout mis au minimum. Hein. Là, je suis le bas de gamme du bas de gamme de chez bas de gamme, quoi. Ah non, je télécharge rien avec lui, en plus. C'est ça le pire. J'ai tout coupé. Discord, Epic Games, Epic Store, j'ai tout coupé. Là, je suis... Ouais, mon PC, je pense qu'un jour ou l'autre, bah voilà quoi. Et la qualité. Ouais, bah de toute façon, je te l'ai dit, je pense que d'ici quelques mois, je vais me prendre un PC fixe quoi. Bah bon, il aura bien vécu. C'est ça, Egloïne, ouais. Bon, on est plutôt en bonne position. Là, on va aller dire deux mots, faire un petit coucou chez qui se lève là. Après, il a 3 ans, là, il va sur sa 4e année aussi. Bon, après, c'est pas une raison. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à notre ami Azag? Monsieur Azag va partir sur une monture. Et tu vois là, hors stream, je suis fluide comme pas deux. Et quand je mets le stream, je lag, je sais pas comment ça se fait. Après, je sais que le logiciel pompe un peu, mais c'est quand même fou, quoi. Puis bon, moi, après, on a ma vie personnelle aussi, c'est par rapport à ça, tu vois. Que j'ai privilégié un PC portable et pas un PC fixe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à Azag?
On lui a mis sa monture déjà. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter d'autre? Bonus de charge plus 20. Ça peut être utile puisque je l'ai mis sur sa vivre. Ouais, je l'ai déjà fait. Si j'ai le raid de TWC, quand tu stream du Total War, en général, je vais voir bah, soit d'autres potes qui font du Total War. Tu vois. Et qu'est-ce que je pourrais acheter? Type louche, ça pourrait être bien. Résistance. Bah oui, Alfred, je joue avec un portable. J'ai pas la place pour avoir un PC fixe pour le moment. C'est ça le problème, quoi. Même sur Age of Empires, je joue avec un portable et pourtant j'ai aucun souci. Bon, c'est pas les mêmes configurations, mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, c'est bon pour Azag. Il a sa vouivre. La vouivre d'Azag s'appelle Mashkran. C'est un cadeau des gobelins de la nuit de la montagne de l'œil rouge. Ah tiens, c'est ceux qu'on a explosés il n'y a pas longtemps. Un iPhone. T'as, vous êtes pas sympa les gars, c'est pas cool. C'est pas grave, Alfred, bienvenue à toi. Et merci du follow. Et bah quoi, Ranix, bienvenue à toi. Ah, vous êtes nombreux les gars, là, bah bienvenue à tous, hein. Les boys sont prêts, on va faire un petit tour chez Kislev là, donc. Il leur reste deux villes à prendre. Il nous reste deux villes à prendre avec Kislev. À savoir. Enfin. Il nous reste deux villes à prendre à Kislev. Le Kislev même et Volgograd au nord. Tiens, tu veux voir mon téléphone? C'est un Nokia 3310 Kappa, tiens. Tu le veux? Hein, Gloin? Monsieur, je tacle. Monsieur le roi du tacle non glissé et non appuyé, très connu. Même si l'histoire du mug, hein, tu l'as encore en arrière de la gorge, je suis sûr Kappa. Il va me traiter avec ça. Alors, on a notre sorcière Momoni Broitou. On va lui mettre masse épouvantable, plus de points de vie, plus de commandement. On va l'accompagner du buveur d'esprit. Et là, on a notre deuxième armée full gobo. Alors, Animatrologique, il y a deux modes actuellement. Le premier mode que tu as vu, c'est que j'ai rajouté 3 points par niveau, parce que je suis parti du principe que sur un univers fantastique, j'aime bien avoir les seigneurs avec leur plein potentiel, mais ça compte aussi bien pour moi-même en tant que joueur, mais aussi bien pour l'IA. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le second mode, c'était lequel? Comment il s'appelle? C'est pas un mode qui change le gameplay, c'était quoi? Je sais même plus. Ah oui, c'est le mode qui reskin les icônes des bâtiments, j'ai oublié le nom. Peut-être que CG, tu l'as encore, si t'es encore là. CG verra duquel que je parle potentiellement. Qui reskin les icônes de bâtiments, c'est que ces deux-là. Oh putain, il a sa vouivre, notre Azag national. Il va pour faire une belle wall. Alors au niveau des technologies, on en est où? Bah on a fait. J'ai fait tout ça, déjà. Enfin, tout ça. C'est une bonne moitié, hein. Là, ce que j'aimerais partir, c'est économiser assez d'argent, recruter, faire la technologie pour l'un des deux seigneurs ici. Alors, soit lui, et je vais essayer de développer l'axe central ici avec archiplein pour réduire le temps de recrutement de mes unités et augmenter ma capacité de recrutement global de plus 2. Et cette technologie pour l'entretien, pour l'économie. Et encore merci du follow à Egluin49, merci à toi, malgré le tacle appuyé à la gorge, tout va bien. Je survivrai. Et là, on va essayer d'aller chercher Kislev. Avec nos deux armées, sur le papier, c'est faisable. Mais à mon avis, le Kislev, il a encore une armée à Volskrag, bien planquée. Après, il faudra aussi que je pense à démonter encore ma mine d'or. Et j'ai eu une information intéressante au niveau de la diplomatie. Alors, apparemment, Grimgor, bah, il a fait son taf. Hein. Je pense que les nains de Karazakarak, il leur reste que ça. Hein. Thorgrim et Grombrindan, ils doivent un petit peu faire dans leur froc à l'heure actuelle. La Sylvanie s'est bien étendue, ce qui fait plaisir. Peut-être qu'un jour je ferai une guerre avec eux, qui sait. Pourquoi pas. Il reste quoi encore? Bah, le clan Krippus, c'est le clan de Mordheim. Et le clan Mulder, Honor, je pense qu'il a dû exploser les nains de Karakadrak ou de Krakadrak, je sais plus le nom exact. Et il doit avoir d'autres territoires peut-être appartenant au Kislev. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les objectifs que j'ai déjà accomplis avec, pour la campagne courte avec Azag. Alors, je dois détruire les trois factions suivantes. L'Ostermark, bah, je lui ai explosé la tronche rapidement, j'étais en guerre avec lui d'entrée de jeu. Je lui ai refait le portrait, je l'ai rasé.
Alors le nouveau DLC, j'y ai pas touché encore au nouveau Seigneur, Eltarion et Grommelapens, mais je trouve que leur ajout et leur mécanique de ce que j'ai vu en stream et en vidéo, franchement, que du bonheur et que demander de plus. Là, franchement, les orques ont de quoi faire maintenant et on peut vraiment s'amuser, quoi. Et après, les mécaniques uniques de défense de ville et tout, avec le système des pierres gardiennes et tout le tralala, je suis fan, j'approuve. Alors là, mon objectif actuellement, je vais essayer de vite finir le Kislev. Il faut aussi que je pille 10 000. J'ai pillé 5349 ici, comme vous pouvez voir. Et là, mon but, ça va être d'occuper 8 colonies. J'ai déjà mes cibles en priorité. Donc le Karakadrin, c'est tout bénef, c'est déjà pris. J'aimerais le Kislev, mais le souci, c'est que je regarde le temps qu'on est en jeu. Nous sommes à 77 tours. Oui, je peux m'en servir, et surtout Egluin. Les gobelins, franchement, là, ils sont vraiment vénères. J'ai fait quelques techs, et là, j'ai une armée, regarde. J'ai une deuxième armée full gobo, quasiment. Full poison, avec des squigs, je pense que ça fait le café. Il faudra encore que j'améliore un petit peu ça. Et après, j'ai l'armée d'Azag aussi. Mais les gobos, franchement, là, c'est une vraie saloperie. Même les igouillards simples, t'en as peur, quoi. Et au passage, je vais me mettre en camp ici, je vais récupérer mes quelques blessés. Enfin, mon blessé, parce que lol, il y a un orc costaud qui a réussi à se faire tuer. Je sais pas comment il a fait, c'est un imbécile, mais c'est pas grave. Bah, honnêtement, Gluin, j'ai envie de, je pense comme toi, hein. Les orcs bientôt obsolètes, ouais. Après, les trolls de pierre, je les aime bien, quoi. Je les ai testés, une bonne force de frappe pour percer une base, et ça, c'est cool, quoi. Donc là, on est bon. On va partir pour le Kislev, j'ai juste passé le tour, j'ai pas de tech à faire. Bah, les boys orcs, ils sont vite supplantés maintenant, hein, quand tu regardes. Alors regardez-moi les rapports de force déjà. Bah après, ouais, j'ai envie de te dire, les orques, quoi. Même Scars, je suis sûr ce que avec Scarsnik de ce que CG avait dit, full gobo, ça passe maintenant. Groom, tu combines Groom et Scarsnik dans la même faction, franchement, t'es full gobo, t'es imbattable, quoi, quasiment. Enfin, quasiment, tu m'as compris, mais ça peut le faire en vrai. Ah bah tiens, exiger des dents en plus, allez, bam. Comme ça, est-ce que je peux faire ma mine niveau 3? Non, toujours pas. Et notre sorcière Momon, elle a pris un nouveau rang. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Mon premier Total War que j'ai joué, Alfred, il s'agit du Medieval 1 Total War qui est sorti en février 2002. Je parais pas si vieux comme ça, mais mon premier Total War, c'est lui qui m'avait mis dans le pas de coup là. Charge dévastatrice, non. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On va la rendre plus forte, au cac. Ouch, ça pique. Les graphismes, Egoïne ou Medieval 1 Total War? Fais attention ce que tu dis, Egoïne, hein, je t'ai à l'œil. Allez. On va piller ici. 351. Ah, le Medieval 1, mais honnêtement, je trouve que pour l'époque, il est vraiment génial, quoi. Le système de déplacement d'armée par pion et tout. Vous sentez arriver là qui se lève, là qui va se prendre une petite raclée. Donc là, on est en train de piller pour alors 298 et 200, ça fait 498. 498 et 22, ça fait 520. Recherche disponible. Je garde mes matériaux pour le moment. Et là, dès que possible, je vais essayer de monter pour la mine, quoi. Après, il fait pas vieux aussi, mais c'est aussi un adepte vampirique. Très drôle, les Glen, c'est pas faux. Et en plus, rien que pour ce soir, d'habitude, je mets toujours un haut de pyjama, lul. Mais là, j'avais décidé de me décontracter un petit peu, chemise. Un peu fleurie, certes, mais décontracté. Eh les gars, honnêtement, si comme si Jim m'aurait dit, il lui faut une armée à lui. Il faudrait trouver un bon orc, tiens.
Ah, c'est sûr, Alfred, il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, j'ai voulu le streamer une fois, mais c'était compliqué, quoi. Medieval Intotal, voilà. Ouh, il y a la peste qui se lève. Ouh, ça me plaît, ça. Ouh, ça me plaît, cette idée. Allez, ramène-toi qui se lève, ramène ton armée à planquer à Volsgrad, là. Oui. Alors, on a, oui, tout de suite la réflexion sur la chemise, mais bon. Allez, valable, j'approuve. Nous allons faire notre mine d'or au niveau 3, mine de Naboo. On va regagner 250 de plus. Sigmar forbids this. Donc on est à... Ouh, ils ont déjà amélioré leur ville. Alors. Allez, Azag. This is good. Get nasty. Get them. I'm the best. Ooh, I'm gonna enjoy this. Engine out. À mon avis, il va y avoir un bon pillage à Kislev qui va se profiler. Et merci du follow. Ah, désolé, retour Windows. Empereur Palpatine, bah bienvenue sur la chaîne, les gars, ça fait plaisir. Tiens, d'ailleurs, faudrait que je regarde à combien vous êtes de followers bientôt. Je pense qu'on n'est pas loin des 90. Et je pense qu'au 100e follower sur Twitch, je ferai, et au 1000e sur YouTube, je ferai un tirage au sort pour le dernier DLC de Warhammer ou un autre DLC d'ici là. Ça dépendra de la période. Alors, on a l'attaque éclair. Eh hey les gars, je la fais pas, hein, ça sert à rien. Regardez-moi ces deux belles armées. Combien de pillages? On les embarque, les 3000. Encore un ramasse champi, saccageur. Azag, il se fait plaisir avec sa horde. Oui, la couronne te guide, si tu le dis. Elle te murmure des choses à l'oreille. L'homme qui murmurait des choses. À 100, il me donne son mug. Bah tiens, Gluin, en rigolant, toi aussi t'avais reçu un mug, tiens. Est-ce que ça, je voudrais juste voir dans quel état il est au niveau de ta photo. Là, au niveau photo, ton mug, je suis curieux de voir dans quel état il est pour rigoler. Moi, le mien, il est un petit peu rayé, c'est avec rester calme, passer en hyper vitesse. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter à Zag? Non, ça c'est pas la peine. Pour les trolls, il me faut les trolls, les grands gars. On va buffer nos unités monstrueuses, entre guillemets, à Ragnarok, troll et... comment ils s'appellent? Idole sauvage. Non, sérieusement, Eglowin, t'en avais reçu un, tu dis pas le con, déconne pas. Alors, notre Mitrandia, il a pris un rang. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Embusqué. On va augmenter ça pour supprimer la corruption. Et je crois que c'est tout. Momon l'a repris un rang. Allez les gars. Reconstituer les troupes, ça serait bien pour la sorcière troll d'eau géante. Qu'est-ce que j'allais dire? Fatalitas, ça me plaît pas, mais... Le dévoreur d'armes pour affaiblir des armures, c'est pas mauvais ça. Là, j'ai 6000. J'ai 6000 quand même là. Bon, vous savez quoi? On va débloquer Oglok Lorib. Et on va partir sur... Ah non, il faut partir sur l'autre côté, c'est ça? Ah, il faut que je débloque les deux. Oh... Bah on va le débloquer au Glochlorib d'abord. On refera un petit casse à Kislev. Et après, on ira les défoncer au nord, à Volsgrad. Et ça devrait être bon. On va faire ça comme programme. Ah punaise. C'est con que je sais pas qui c'est qui a eu un autre mug, mais bon. Je pense pas avoir été le seul à ce moment-là. Je suis sûr qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je sais plus qui. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre qui tourne en arrière.
Genre des mises à jour, parce que bon, je suis désolé, hein, c'est pas la grande qualité, mais bon, je suis avec les moyens du bord. Tant qu'on est là pour s'amuser après tout. Hein. Vous êtes 14, merci à vous. Alors, Alfred, je joue. Alors, le rework des orques et surtout d'Azag le Massacreur. Donc, je vais te présenter le monsieur. Hein, il a une belle tête de vainqueur, Azag le Massacreur, avec la couronne de Nagash. Ce sont les agitateurs d'eau. C'est la nouvelle position de départ d'Azag. En gros, tu démarres ici, avec Azag, Karak, Ungor. Tu dois vite récupérer Karak Razia, et après, bah, tu déferles sur les montagnes. Mais là, à mon avis, ça. Je... Ouh, le Stermark qui recolonise. Ah, mon armure prend de l'usure, comment ça se fait? Oh, la peste. Et bien sûr. Je reste tout de suite. Ça y est, on peut lancer une wag. Enfin. Plein de régiments de renom qu'on débloque d'un coup, mais ça va faire mal au porte-monnaie à mon avis. Azag. Je vais monter Thanos sonore. Enfin, si possible. Là, si on élimine qui se lève rapidement, on serait tranquille. Ah, il y a une faction de Skaven ici. Je pense que c'est le clan de Skarogne, mais je suis pas sûr. Qui a repris un rang ici à Zag. Vision démente. Ordre radicaux. Le nimbus le plus sombre. Tranquille. Dites-moi que je vais pas me prendre une peste pendant 50 000 ans. Après, je peux faire ça aussi. Tiens, bah, je vais faire ça. Les trucs magiques qui brillent. Chance de trouver des objets magiques supplémentaires plus 5%. Réserve des vents magiques plus 10. Ta ta ta. Ouais, ça va être bien ça. Après, il faut que je pense à partir sur des orques sur sanglier. Alors, notre Thanos, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Intrusion nocturne, squig encore plus vicieux, et déverrouille les attaques de flux mortels de Skarsnik. Nos gobs, là, vous regardez ça, ils peuvent surclasser des boys orques à l'heure actuelle. Regardez. Là, j'ai 44 d'attaque en monnaie avec du poison avec un gobelin de la nuit. On va comparer avec un boys orque classique. Qui n'a que 41 entre guillemets, avec plusieurs chevrons. Alors la sorcière c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter? Plus de commandement. Ouais, on va faire ça. Le commandement c'est bien pour ce genre de créature. Et on va passer le tour. Oh, je suis vraiment inquiet pour la peste là. J'espère juste que l'armée de Thanos va pas être contaminée, sinon ça va bien m'emmerder. Et bah actuellement les gars, je viens de voir le chiffre, vous êtes 89 followers. On va reculer. Et en plus, ne... Alors là, on a bien joué le coup. On a foutu l'armée principale de Kislev dans le marais. Et là, elle va se taper d'usure aussi. Alors, notre Mitrandir, il a repris un nouveau rang. Plus de dégâts des armes, parce que c'est un ceinture de héros ou de généraux adverses. Et, oh, les Stalil et Duracuel Gringor sont en guerre, d'accord. Je vois un petit peu, je veux juste rigoler là en 1v1 ce que ça donnerait Azag contre cette armée. Ah, ça pourrait être pas mal. En 2v1 elle se sauve. Elle se sauve, elle va où?
Ah bah oui, elle se meurt de portée, bah bien sûr. Mais lol. Je vais me mettre là. Bien, donc j'ai aussi découpé cette rediffusion de live YouTube en plusieurs épisodes. Je fais un petit peu à la meuf ou à la CG. Hein. Je vais couper en une heure et quart, pas plus. Bon, même si la qualité va pas être top. Peut-être que si je fais la grande campagne, donc la victoire de campagne ultime, entre guillemets, de longue campagne, peut-être que je passerai la seconde partie de vidéo en. Comment ça s'appelle? En série YouTube. Peut-être que la qualité passera mieux. Peut-être que le logiciel de stream est trop dur aussi, c'est ça. Ouais, mon armée complète, elle est morte. Oui! Yeah. Défaite valeureuse, hein. LOL. Bon, bah d'un autre côté, on va remonter en niveau économie. Nous verrons bien qui est l'imbécile. Surplus de recrues. Non, 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 je fais que streamer, Egoline. Mes rediffs de live, en gros, je télécharge la vidéo de Twitch. Et je fais le montage. Mais ça, c'est hors truc. Là, je fais que streamer le record, je le fais après. Alors, sur quoi on va partir? Bah, on va essayer de recruter des gobos, non? On va repartir sur lui. Hein. Lui ne coûte rien, j'avais déjà recruté. Eh bien, on est parti sur un Thanos 3. Hein. Putain, ils vont me détester un jour. Hop. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Bah là, rien. On va repartir sur des gobelins de la nuit. On va en mettre 5, 6. Je vais rajouter déjà 4 archers. Et après 4 fanta 4. Comment ça s'appelle? 4 squigs. A plus, Alfred. Merci d'être passé si je te revois pas. Ensuite, ici. Grand chef gobelin. Perspicace. Ouais, bof. Agressif, ouais. Ah bah il est déjà en 5 de base, c'est très bien. Lame sanglante, combattant des égouts, hors d'atteinte, glissant, harceleur. Il me reste 3 points placés. Spécialiste en survie pour la durabilité. Donc comme quoi le full gobelin, ça fait pas tout. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est Mitrandir. 3. Voilà. Ah bah en plus j'ai fait entrer, je passe le tour, c'est ce que je voulais. Ouais, donc là il faut que je veux finir à Kislev maintenant. Par contre, l'Ostermark qui recolonise à la vitesse de l'éclair, lui. En plus, l'imbécile il recolonise Kislev alors qu'il y a encore la peste. J'espère que cette peste va bientôt s'arrêter, c'est tout, quoi. Bon bah Thanos, il a rien fait, il a un rang, lol. Alors marcheur, présence charismatique, maître d'épée. Putain, ma pauvre armée. Je crois que je vais repartir. Le mec s'est dit que tous les cadavres dans les rues, ça courait aucun risque. Avec un peu de gelée dans la colique.
Putain, mais t'en as de ces idées, toi. Je vais repartir dans les montagnes, je vais me replier pour le moment. Bien, au prochain tour, on aura la mine qui font qui tourne. Alors ici, je vais faire une garnison du côté de Karak-Kadrin. Je vais booster la caserne au niveau 2. J'ai un héros qui est non déplacé. Il faut que j'aille au camp des Baersonlings là. Et j'ai envoyé Mithrandir, il me faudra 4 tours. Comme ça, on pourra débloquer la quête d'Azak pour la couronne de Nagash. Et là, on va avoir le. Et on aurait le regard de Nagash avec. Ce qui serait excellent comme ça. Peut-être trop, ouais. Un peu trop. Mais on t'adore. Même si des fois, j'avoue que j'étais un petit peu petit avec toi par moment. Hein. Mais bon, toi aussi, hein. Qui aime bien châtie bien comme on dit. Ah bah punaise, là, je suis en train de perdre tous mes viewers, t'es donc ma qualité de lave est dégueulasse. Oh c'est tant pis. Hein. Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont dans de meilleure qualité de matos et tout, ce qui est logique. Hein. Ok, les vents de douleur, ça donne quoi? Qualité. Quantité de vent de magie au départ, plus 20. Pour toutes les factions pendant 10 tours. C'est génial. Alors. Mithrandir, il remonte vers le nord. La mine d'or des Nabots, c'est fait. Allez, ouais, au niveau maximum. Là, le camp de garnison est en train de monter. Là, je suis tout. Là, pour le moment, je suis bien. Là, je me fais une base dans les montagnes parce que après, il faudra se préparer contre le chaos tôt ou tard. Et je pense que m'étendre tout de suite sur des terres tempérées, comme ils disent, je pense que ça serait une erreur. Ça serait beaucoup trop tôt. Attendre l'arrivée du chaos et essayer de récupérer derrière. Pourquoi pas, ceci dit. Bon, on a déjà pillé 10 occupés pieds ou. Ou raser ou mettre à sac 25 colonnes, on a déjà fait 10. En général, ça monte vite ce genre d'objectif. Peut-être qu'un jour je streamerai du Medieval 2 avec Sir Dead, Jivad et Conquer. Et si j'arrive à l'installer le mode Beginning of the End of Time, comme ça je pourrais faire entre guillemets la suite des factions que j'ai jouées. Mais il me semble qu'il n'y a pas toutes les factions comme la Côte Vampire, je crois pas qu'elle y est. Oh, Kislev qui me propose la paix, bah ça alors. Bah non, bah non. Pourquoi je t'offrais la paix? T'es mon objectif de guerre. Je te ferai la paix quand tu seras détruit et puis c'est tout. Oh, Lorlorn et si Lorlorn et Sylvanie. Ouh, la Sylvanie s'est bien bien étendue, apparemment, ça fait plaisir. On va se retirer. Au cas où, demain je vais streamer. Non, 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 Igloin, c'est un mode hein, sur Medieval 2. Ils l'ont vraiment fait, oui. Tu as plusieurs modes sur Warhammer, je crois, avec Media 2. Tu as Warhammer, Call of Warhammer et Beginning of the End of Time. Moi, je serais plutôt celui-là. Combien de temps pour me reconstituer? 3 tours, ouais, ça va être un peu long. Yes, we need help. Donc là, je vais me mettre ici. T'inquiète, j'avais compris, hein, mais bon. On évite de se confondre les choses, sinon on va avoir des ennuis. Je vais mettre Azag en marche forcée, il va vite se reconstituer à Karakungor. Il me faudrait 3 tours, ce qui est correct. Armure de pierre, ça donne quoi? Ouais, ça m'intéresse pas. Oh. Ajok Sigmar, bon, on peut dire ce qu'on veut, hein. Je pense que ça a apporté un nouveau souffle à Game Workshop au niveau de. Ah, les petits salopards, ils ont recolonisé Prague. Bon, bah, c'est bien. Comment ça, Fall of Samurai, c'est pas un DLC? J'ai jamais parlé de Fall of Samurai, avec Louis, enfin. Alors, c'est Dimitri Tsarioff, ok.
Eh ben, il y aura deux villes de plus à piller et raser, moi je dis. Je vais recruter tout de suite mes deux archers gobelins de la nuit avec flèche empoisonnée. Les trois squigla. Ah bah la descente des spectateurs elle continue, hein, c'est la descente aux enfers Kappa. Attends, moi non plus rassure-toi, enfin je sais pas si c'est rassurant du coup, de quoi, qu'est-ce qui... J'ai pas compris Glovin en fait. Après, Josimar, moi je pense que ça a sauvé Game Workshop, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais... Le renouveau avec cette nouvelle version plateau entre guillemets, ça leur a sauvé les miches niveau finance, parce qu'il me semble que 40K ça rapportait je sais plus combien. Non, c'est pas toi, je pense pas. Après chaque, on est comme on est, hein. Horde s'impatiente. On a une, on pourrait lâcher une wag effectivement, mais c'est, je ne vois pas lâcher une wag sur le qui se lève. Hein. Ça serait vraiment useless. Hein. Je préfère garder ma wag au chaud pour une autre cible. Pourquoi pas les nains? Les nains de Karazakarak. Ah, Zuvbar, ils ont pris une révolte aussi, tiens. Je pense qu'après Kisla, je vais aller faire un tour sur les nains de Karazakarak. Tiens, je vais leur rappeler un peu c'est qui le patron. Alors, mon armée là avec Azag. Ouh. Le prochain tour, elle sera complète. Oui, j'en parle mal de AOS, mais c'est vrai que c'est de ce que ça. J'ai vu, ça permet d'amuser la façon de jouer comparé à Fantasy Classique. Ouais, après, bon, l'idée des régiments est toujours là. Déjà, ils l'ont gardé, tant mieux. Les effets de porte-étendard champion et musicien sont toujours là aussi, d'un certain point de vue. Voilà quoi, je pense pas que c'est une si mauvaise chose que ça. Après, on libre d'aimer ou de pas aimer, quoi. Donc au prochain tour, on sera au camp des Baersonlings et j'enverrai Azag pour la quête, quoi. On fera la bataille de quête. J'espère qu'il y a des... Là, ce qui pourrait être marrant de voir, c'est comment... avec Karzakarak, là, comment on va, si on peut les découper facilement, si on peut récupérer la région de Zuvbar, ça pourrait être pas mal aussi. Faire une base montagneuse là, ça pourrait être cool quoi. Jouer un peu roleplay avec les orques là dans les montagnes, même si je sais que je peux coloniser les terres centrales quoi, enfin les terres tempérées classiques. Ah, et camp des Baersonlings. On récupère 1500. Placer 4 unités d'infanterie projectile dans l'armée d'Azag. On les a, je crois. Hein. Il me semble qu'on avait, que j'avais 4 archers gobos. Oui, je les ai, c'est bon. Au prochain tour, ce sera validé. Et je vais le mettre en marche forcée. Je sais qu'on peut obtenir un trait quand notre armée reste plusieurs tours en marche forcée. On va essayer de l'avoir. Je vais prendre cette amélioration de caserne d'orques noirs. On aura les orques noirs, les gobes de l'année avec fanatique et les archers gobelins de l'année avec fanatique. J'aime pas trop les archers avec fanatique, je trouve ça inutile. La terre du milieu, ouais, c'est ça, Egloïne. Les orques noirs, ça sera toujours une bonne chose. D'ailleurs, avec Kazakh, je sais plus si on a des améliorations d'armée d'orques noirs. Il me semble pas en avoir vu. Après, ah, les boys, ça pourrait les affecter, je pense. Dans le sens où ce sont des orques sur le papier. Les unités de char, non. La morde en dessous, on n'a pas d'artillerie. Et je regarde un petit peu, hein, je connais pas tout l'art d'Azak. J'ai toujours pas développé personnellement Azak, faudra que je le fasse. Là déjà booster le maître d'épée et sa charge avec la vouivre, ça pourrait faire très mal. Non, je peux pas, je garde mes points quoi. Ou alors est-ce que je monte vraiment la caserne?
Non, je vais pas monter la caserne. Tant pis, ça viendra plus tard. Je vais monter. Il me faut l'écran central. Enfin, l'axe central avec archiplein pour le recrutement. Et comme j'avais dit, la technologie d'entretien. Moins cher. 10% par-ci, par-là, tu craches pas dessus, quoi. Va falloir que je refasse venir Mitrandir pour l'armée de Thanos. Parce que les deux ne vont pas. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Le clan Ngrun a été rencontré. Waouh. Donc le clan Ngrun. Oh, ils ont récupéré Zubar. Ouh, Belagar est dans le coin maintenant. Ça va, ça risque de changer la donne. Hein. Ouais, pour les orques, on verra. Hein. Ok, on regagne 1500. Alors, un emplacement possible pour cette partie perdue de la couronne a été découvert. Un endroit horrible qui respire la puanteur des puissances de la ruine. Fouiller la zone ne sera pas simple car des créatures volantes veillent sur les ruines, des groupes de chauves-souris géantes et d'autres choses encore plus monstrueuses. Pour pouvoir complètement explorer la cité morte, Azag et sa bande doivent contrôler aussi bien les cieux que la terre. Eh ben, c'est parti, on va faire la couronne de sorcellerie. Alors, remporter la bataille suivante avec Azag la massacreur pour obtenir la couronne de sorcellerie. Ses troupes. Forte de nombreux tireurs, il ne reste plus qu'à Azag qu'à lancer son raid sur la cité des tombes. Sa bande doit repousser les morts-vivants et les habitants du chaos, puis se livrer à une traque entre les tombes et les repaires de monstres dans les catacombes du dessous. Les désolations du chaos sont un endroit dangereux et étrange, mais les faibles chuchotements du mal ancestral deviennent de plus en plus forts dans la tête d'Azag. La couronne désire être entière à nouveau. On regarde un petit peu l'armée du chaos, alors qu'est-ce qu'ils ont? Des trolls, des chiens de guerre. Des rejetons du chaos. Et c'est quoi? C'est un héros de mêlée? Ok. Bah, à mon avis, il y en a un qui va se faire un peu pomper l'esprit bientôt. Hein, je dis ça comme ça. Je vais rajouter le dévoreur d'âme au maximum. La complainte. Et le vol de vie. Alors, il me faut... Ça coûterait combien, tiens? Ah oui, Azog, il est dans sa vie, c'est vrai. Combien ça me coûte? 500 000? 500. Les chiens du chaos, on les maîtrise vite. Je pense même les boys peuvent s'en occuper. Les gobos, on verra. Ce qui me fait peur, ce sont les autres trolls. Bon, le seigneur, on peut le gérer facilement. Hein. Allez, on va récupérer notre premier objet légendaire, la couronne de Nagash. L'armée est bien équipée pour. La cité est maléfique, même pour un orque au caractère aussi trempé que celui d'Azag. Pourtant, le butin de la cité en vaut la peine, mais cela doit impliquer d'affronter le chaos et les morts-vivants. Les forces du chaos attaqueront depuis l'intérieur des ruines. Oui, mais Gork sait seul où sont les morts-vivants et où ils frapperont. Observez bien les cieux, car ils grouilleront de trucs maléfiques. Vous êtes prêts les boys? On y va? Alright lads, here's the plan. We're going into this lost city, but before we can rummage, we're gonna clear out all them assets. Salut Gauthier, bienvenue à toi. Give them a good kicking. Once we've killed everything, no one to go looting until I say so. This is my plan, so I get the top picks. I'm in charge now, and I need a shiny boss axe. Anyone who disobeys will get a boot up their backside. Remember, this is a cursed place. The shamans don't like it. So, no messing with stuff you don't understand. If you summon something from the void, you'll have to deal with it yourself. Thunder for Wag. Allez, c'est parti. On y va. Ils se sont mis en travers notre butin, ah bah ça tu m'étonnes. Bonsoir Momon, bienvenue à toi, comment vas-tu? J'espère que la qualité de live est meilleure qu'hier, Momon, parce que hier c'était un peu chaotique sans mauvais jeu de mots. En plus on fait la quête de la couronne de sorcellerie de Nagash. Je veux voir sa composition d'armée, comment il a disposé. Les rejetons du chaos, je pense que j'enverrai les trolls dessus. Hein.
Les renforts ennemis sont en approche. Je vois pas ce que c'est. Oh, des chauves-souris, bah tiens. Ah, il y a des Varghest, ok, tout va bien. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes, dites-moi. C'est quoi ça? Vent de mort. On a un vent de mort. Allez. Allez, approchez, Mimignon. On va tenir la ligne. Abattez-moi ça, là. Ah oui, les chauves-souris, cette saison. C'est quoi ça qui arrive? Les chiens de guerre du chaos, attention. Bon, les boys y tiennent. Ouh, Azag, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Gobelin de la nuit, on va éviter. Costaud sur les rejetons. Ils ont un bonus anti-arche de plus 8. On va l'utiliser contre eux. Oh, derrière, ouf, ouf, ça a piqué ça. C'est ça, ça c'est le Vargulf. Il faut s'en occuper avec les autres. Putain, mais Azag il se fait démolir la vache. Wow. Bon, on va avoir une première jauge de Wag, c'est ça qu'il faut se dire. Je vais mettre terreur sur lui. Bon, les gobos, ils s'en sortent ou pas? Allez, on va lâcher la Wag d'Azag. Thunder for Wag! Thunder for Wag. Allez, feu à volonté. La sorcière, elle s'en sort comment là? Même Azag, il rabille tout le monde là. Les trolls du chaos sont repliés pour le moment. Le Vargulf ici, des morts vivants, est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh, du spectre des cairns, ça rigole zéro ça. Tiens, il y a un chef vampire, c'est un chef du chaos, pardon. Donc les trolls là. Qu'est-ce qu'il nous reste derrière? Reculez, reculez, reculez là. On va faire un petit buveur d'esprit sur le général du chaos. Un double buveur d'esprit même. Ça va le calmer. Ici c'est plié, je vais reformer ma ligne. Putain, ces Varghest là, ils sont chiants. J'ai une grosse unité de... Oh, les gobelins d'Anu, là, ils ont bien mangé. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Du Zombard, ouais. Occupe-toi de ces spectres, s'il te plaît. Là, on est bon. Oh, on m'a sorti un sort de merde, encore. C'est quoi derrière? C'est un nécromancien de base. Je vais tenter d'aller chercher les Kazak pour décomposer l'armée mort-vivante. Au centre. C'est bien. C'est quoi ça? Qui nous agresse? Les guerriers squelettes, ça va. Un petit buveur d'esprit, on va lui pomper un peu l'air. Deuxième buveur d'esprit, pompage d'air aussi. Ah, il y a encore... Mais vous ne l'avez pas buté, ce seigneur du chaos, là, sans déconner. C'est quoi ça, là-bas? Oh, le seigneur de la non-vie, là, il va bientôt y passer. Ça y est, Edin. Il est où, l'autre seigneur? Les trolls ne reviendront pas, ça, c'est une excellente nouvelle. Je pense que là, on s'est facilité les choses. Je vais envoyer quand même ici. Ah, une petite charge de troll de pierre dans le dos. C'est carnage. Allez, deuxième vague.
Thunder for Wag. Voilà, ça va être plié. Hein. Regardez les stats des gobos. Les trolls, ils ont 71 attaques avec le 24. Mais lol, quoi. Alors lui, on va lui dire deux mots. Ah, c'est d'une victoire, hein, tranquille. La couronne de Nagash me revient. Mais où sont les pangolins? Bah, les pangolins, ils sont morts. On a anéanti la moitié de l'armée du chaos, hein, enfin de la force du chaos. Les autres morts vivants, on les a vite dégommés. C'était que des chauves-souris, des Varghest. On a vite focalisé le général adverse, comme d'habitude. Et le général lui a rendu. Enfin, Azag, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. 126 kills les trolls de pierre ici, 61 pour les autres. On va reprendre la reconstitution de 12%. On a le domaine avancé de la magie du. Alors, active la magie avancée du domaine de la mort. Les risques d'échec sont réduits de 25%. La quantité de départ de vent de magie est augmentée de 10. Immunité totale à l'usure vampirique, excellent. Obéissance, moins 50% due à la présence ou manque de corruption dans la province. Bah, c'est génial tout ça. Et objet de sort, regard de Nagash. Bien. Bah, est-ce qu'on repart, on peut partir contre le qui se lève maintenant, c'est ça la question. Je veux juste voir un peu la puissance du clan Ngrun, je suis un peu inquiet là. Le fait qu'ils soient ici, ça n'augure rien de bon. Ils ont que 5 territoires entre guillemets, ça va. Bon bah Mitrandir, tu reviens. On s'occupera plus tard de qui se lève. Ou alors faut prier que le chaos les explose. Quoique, attends. Vous savez quoi? On va se mettre d'abord ici. On va il faut achever le qui se lève. On serait tranquille avec ça. Je vais me mettre en camp là. Ou non, mieux. Je vais me mettre en camp de pierre du côté de. Je me mettrai après en camp de pierre. Je vais déjà me reconstituer pleinement. Bah, si le jeu me l'autorise, bien sûr. Alors, 18. On a deux niveaux gagnés. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, déjà, les chevaucheurs. On va augmenter un petit peu le bonus de charge avec Mashcrane et les points de vie d'Azag, bien sûr. 15% de points de vie, c'est vraiment pas déconnant. Il a combien de points de vie maximum? Il en a 5144, ce qui est pas dégueulasse. Il a accès aussi au vent de mort. Alors là, on va rigoler. On va juste raser les villes avec qui se lève, je l'annonce. Ouh, comment ça se fait que là que je suis à moins 694? J'ai loupé quelque chose. Ah bah oui. Le camp de pillage. Je suis con. Vous pouvez dire que je suis un con là. Voilà, on remonte à 566. Est-ce que je pourrais pas recruter d'autres unités là, ça pour... Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il me manquerait que deux unités là. Hein. Les trolls de pierre, c'est même pas la peine d'y penser, ils me coûtent trop cher. Les trolls classiques, je préfère les oublier. Les zigouillards, ça peut être sympa, allez. Je peux améliorer une colonie. Et je vais partir sur l'amélioration de Karakadrin. Allez. Quoique, non. Je vais partir sur l'amélioration de garnison. Vu la proximité des nains de Belagar, on va éviter. Hein. Allez, on passe le tour. Ce sera bientôt la fin de cette première VOD. J'espère que le son était audible par rapport à la première session. Parce que c'était, comme je l'ai dit, une catastrophe. Mais là, je suis confiant. Je pense que c'est beaucoup mieux. On m'entend bien. Il y a le son du jeu normalement, tout va bien. Dans le meilleur des mondes.
Ouais, bah là, les trois premières VOD, avec Halloween, ça va être la catastrophe, hein. Après, je sais que j'ai pas le meilleur. Ce qui risque de me faire chier, c'est la qualité aussi, que les gens ils vont râler. Ils disent, ouais, tu lag trop, tu devrais pas jouer ce jeu. Les gens sont tellement cons, des fois, en réaction, mais c'est comme ça. Ah! Les coups près de Slaga. Déplacer un personnage vers Camperbad. Bon, bah, m'y rendre. Je te donne pour consigne d'aller jusque Camperbad ici. Ah oui. Ah, et bien, bonne chance pour faire tous les bruitages à la bouche. Mon Dieu. Je vais y aller en tunnel avec les. Avec Azag. Quoique non. J'ai une idée. Je vais prendre un risque. Je vais passer par le territoire de l'Ostermark. Tout simplement, c'est juste pour que je me reconstitue en camp et piller un petit peu pour la trésorerie. Allez, je termine le tour là. Enfin, je déplace l'armée de Thanos. Là, il y a franchement un bug sur la barre. J'espère qu'ils vont corriger ça rapidement. Ok, Twitch. Bah, là, ça va être la fin de cette première partie de live pour YouTube, hein. Ça va être le premier point de découpage. On a récupéré la couronne de Nagash pour Monsieur Azag. Il nous reste à récupérer encore l'armure qui dure et les couperets de Slaga. Pour en faire un chef orc digne de ce nom et ultra pété. Voilà. Donc, je vous dis au revoir YouTube, à bientôt. Et à Twitch, on est parti pour la seconde partie de live.